Just a map of China to show you that we are linked with Lanshan Gongguangling site and Yongshan site. We are linked to the Yangtze River. The alluvial terrace is from a tributary of the Yangtze River called the Han River. So they are not far from each other, Lanshan and Yongshan site, but separated by the Chilling Mountains, which is the official boundary between north and the south of China. So just to keep in mind the Lanshan Gongguangling locality site in this area, it is an old discovery. We have associated with the human remains. We have no neolithic industry, but a lot of big mammals which are associated with this human skull cape, which is quite damaged. As you can see, this is a superior view. You have the orbits here, and this is the construction, the post-orbital construction, which is very well marked in this specimen, which is a primitive feature. And of course, the supraorbital torus just above the orbits, which is a primitive feature too. About datings, we have a large interval due to different methods and different archaeological level which were dated. So we are from 1.1 to 1.6 million years for this Lanshan site. And Marie will give you information about the fauna and about the similarities between the fauna in Lanshan and Yongshan site. So in Yongshan, we have done a very pluridisciplinary work. It is something very important because it is in China a kind of a dot in the map, which is a very confident dot, I mean in terms of biochronology and about geochronology. So here is a stratigraphy with different levels. The archaeological one is the C3 level. In this level, we determined a paleomagnetic excursion, the Santa Rosa paleomagnetic excursion, which is just before 1 million years. So together with the biochronology, we have something very confident to be here around 1 million years. So in this alluvial terrace, we found, it was an excavation done in 1990 and 1991, the Yongshan site, the alluvial context, because the site is on the fourth alluvial terrace from the Han River, which is the tributary of the Yangtze River. So we are just with Yongshan and Lanshan Gongguangling site. We are just in south, or just at the boundary between the north and south of China. And the excavation in 1980s delivered a lot of mammal fossils, around 2,000 mammal remains, and a lot of lithic tools associated with mammals and human bones. Around 500 lithic tools, which are attributed to an Acheulean context with the andaxes, and two human skulls, very well preserved, but totally crushed. That's it. Just to explain the context, which is a natural process on the side of the river, the carcasses was stored in this area, and they were preserved due to the alluvial deposit. But in this natural concentration of bones, maybe humans went and recovered meat on the carcasses, and so they left some cut marks
on animal bones or breakage, so the presence of human behaviors activities is well evidenced. And of course, for this side, there is no doubt in the contemporaneity between human and animal bones and lithic industry, because everything is well preserved, including the two human skulls. So as I explained, the two skulls were damaged. So we have done 3D reconstruction, and we delivered a reconstructed skull, as you can see with the step using 3D imaging techniques. And studying these human fossils, well, we can say that they are big in size. I mean, they are bigger than the Zucudian fossils, for example, which are, of course, younger than the Jungschön site. And they are not far from Middle Pleistocene European fossils, hominins. So that's something interesting because, in my opinion, and looking at the anatomical features, for example, they are not strictly speaking Homo erectus, because the Homo erectus features, like torus angularis or the mastoid process or the crest on the mastoid, are missing. So for me, they are not strictly speaking Homo erectus, but they can be at the roots of the Homo erectus as Zucudian, which will be represented in Zucudian cave, for example. And because they share some features, metric features, and morphological ones with European fossils such as Petralona, for example, in Greece, we can imagine, because they are older than all the Middle Pleistocene hominins, because they are around 1 million years, that they are at the roots to the Homo heidelbergensis, which will develop mainly in Europe later. So this is my opinion on such skulls, which are very important for human evolution, because they are well dated and well preserved, except for this damage due to a fossilization process. Donc, la question était pour notre équipe de paléontologues, c'est d'une part de comparer ces espèces et pour toute la partie des faunes eurasiatiques, c'est-à-dire les faunes que l'on va trouver d'un côté à l'autre de toute l'Eurasie. Vous allez voir qu'il y a, bien sûr, il y en a. De découvrir les espèces endémiques chinoises. Et pour Anna et moi, le problème était de trouver les relations avec la faune, puisqu'on avait cette grande quantité de grands bifaces, de grandes pointes, de grands éclats et de galets aménagés et quelques petits éclats. Donc, on a cherché sur les 2000 restes de faune, on a fait une étude archéozoologique. Alors évidemment, comme l'a expliqué tout à l'heure Amélie, la faune de référence pour nous, autour d'un million d'années, c'était bien l'Antiane. Donc, on a comparé ces espèces avec les données qui avaient été publiées par nos collègues chinois. On a travaillé ensemble. Et donc, ça donne une différence, effectivement, entre, pour cette période-là, autour d'un million d'années, une légère différence entre des faunes de Chine du Nord et des faunes de Chine du Sud, bien qu'elles ne soient pas aussi importantes que celles qu'on va trouver au fur et à mesure du Quaternaire. Là, on a daté le site, on est tous bien d'accord, voilà.
Alors, je vous ai mis en bleu ce que j'appelle les faunes eurasiatiques, c'est-à-dire celles que l'on va trouver partout. En particulier, vous le voyez sur les carnivores, donc Pachycropoda breviroscris, Homotherium, Meganthereon, Meganthereon, Panthera bombatsopensis. Il faut se mettre bien dans l'idée que ces faunes sont toutes accumulées dans une sorte d'événement catastrophique, une grosse inondation probablement, qui a transporté et accumulé ces ossements, en particulier dans le niveau 3, puisqu'on a une longue séquence dans cette séquence fluviatile. Dans le niveau 3, il est plus riche, celui où on a trouvé aussi les deux crânes humains, mais que tous ces animaux-là ont été piégés. Ce qui nous intéressait et ce qui était important, c'est de voir aussi s'ils étaient bien contemporains. Donc là, il n'y avait pas de problème au niveau de toutes les études qui ont été faites. Et on a bien une séquence qui correspond à une biodiversité que l'on trouve en Chine de façon régulière. C'est toujours très riche. Et donc, les différences au niveau des carnivores, les deux premières colonnes, donc Yunxian d'un côté, Gonwanning de l'autre, eh bien effectivement c'est la présence de ce canis et de Nectareites, c'est un petit renard, un joli petit renard, qui sont donc côté nord, on va dire, et qu'on n'a pas trouvé à Yunxian. Alors pour ce qui est des faunes typiques, endémiques, c'est Ursus tibetanus, bien que de temps en temps ils viennent faire des épopées sauvages jusque dans le Pléistocène moyen ici en Europe, mais globalement il est quand même bien chez lui là-bas. Arctonis scolaris, c'est comme Ménès, ce sont les mustélidés, et le panda qui, on va le voir, on en a des beaux crânes, c'est l'espèce chouchou de ce site, puisqu'on a plusieurs crânes entiers complet, c'est très impressionnant, comme vous avez vu les crânes humains. Voilà, pour ce qui est de notre proboscidien, on est sur Stégodon, mais aussi bien à Yunxian qu'à Gonwanning. Donc Stégodon orientalis, c'est le Stégodon en vogue à cette période-là. Les chevaux, par contre, enfin, les équidés, excusez-moi, sont différents puisqu'on a Sanmendiensis vers le nord, celui qu'on va trouver aussi à Choufoutienne et surtout, évidemment, dans l'Aniouane, comme vous l'a montré Tongaouen, les tapirs, les rhinocéros et des espèces un peu plus typique là-bas, Nestorhytérium, on en reparlera tout à l'heure, Nestorhytérium chimpanzé et Paracamélus, un grand chameau qu'on aime bien aussi. Et puis des sangliers, des cochons, des suidés. Le gros suidé, Lydekéry, qu'on va trouver pendant tout le Pléistocène moyen et même supérieur. Dans toute l'Asie pratiquement. Et ce buffle, qui n'est pas du tout le même buffle dont on va parler un peu plus tard, mais ce buffle qui a des chevilles qui sont triangulaires, mais triangulaires arrondies et relativement courtes. Et puis une autre espèce dont on va parler maintenant. Alors, Sanmendiensis, c'est l'équidé du nord, et Yunnanensis, c'est une autre marque d'équidé qui va plutôt pour le sud et plus archaïque, qui va rester assez longtemps, puisque toutes ces espèces du Pléistocène inférieur vont perdurer assez longtemps pendant le Pléistocène moyen. Le rhinocéros, unicorne, sinensis, hein, donc avec un crâne complet et unique, et qui sont des animaux qui sont rares sur le site.
Ah oui, c'était mon tapir. Vous voyez des crânes quasi entiers de tapyrus, comme ça, on en a 6 ou 7. C'est vraiment impressionnant. Le grand sanglier, qui est de la famille des. Enfin, de même famille que les strozzis. Et puis ces fameux leptogos, autant à l'ancienne, ils ne se ressemblent pas trop les deux, mais à l'ancienne, avec des petites chevilles qui s'écartent, qui sont assez écartées et assez courtes. Celui de Yunxian, les chevilles osseuses sont plus robustes, un tout petit peu plus longues, mais toujours avec un chignon occipital très énorme, très développé. L'espèce, le deuxième petit cochon, c'est Osu, et qui est un petit suidé vraiment de toute petite taille, mais vous voyez que là, il s'agit bien d'un adulte, et donc ce crâne est quand même très, très, très joli, très beau. Alors, l'espèce la mieux représentée, c'est le cerf. Et évidemment, toutes les études, on va dire sérieuses, vont être faites sur les populations de cervidés. C'est-à-dire qu'on va chercher des traces et une fracturation. Alors, on trouve une fracturation liée aux carnivores, hein, qui représentent quand même un pourcentage important. C'est ceux qui sont morts, hein. C'est pas ceux qui ont travaillé sur l'accumulation, on est bien d'accord. Mais enfin, ils sont quand même assez nombreux, et donc probablement ça correspond bien à une population vivante, de fait. Donc, sur les traces, sur les ossements eux-mêmes, on va trouver des traces qui sont caractéristiques. On va retrouver une mortalité qui est, que je ne connais pas, c'est un diagramme de mortalité assez, je ne sais pas l'interpréter, il y a de tout, beaucoup de cervidés vieux, mais à part ça, il y a de tout. Et c'est sur les côtes de cerf et de tibia ou des talus que l'on va trouver quelques stries. Alors, sur les 2000 restes, on est à une dizaine de stries dont on est sûr, puisqu'enfin, ces os-là ne présentent quasiment pas de stries de charriage, comme ce dont on a parlé à Saint-Pré tout à l'heure. Donc, on a effectivement des jolies petites stries, et en général très fines, un peu profondes, très fines, sur les ossements. Alors, ça ne correspond pas au galet aménagé, au grand pic et à l'industrie que l'on a observé sur le site et qui donc est bien contemporaine de cette accumulation catastrophique. Donc, les éclats nous ont un peu échappé, ou je ne sais pas, ou ils utilisaient aussi les bambous, comme bien sûr, on peut le faire en Chine du Sud sans aucun problème.